Eh bien bonjour tout le monde, ici K2M aux commandes et aux commentaires pour vous accompagner lors de cette cinquième partie de la Frapsus de Uplink pour frapsusjeux.fr. Donc on retourne au charbon et c'est parti. Donc dans la vidéo précédente on s'était attaqué à la destruction de données je crois. J'avais fait deux missions, une voilà c'était sur un service de Global Tech et la seconde c'était avec une centrale mainframe où je vous avais montré ce qu'il faut, enfin toute la préparation pour pouvoir l'attaquer. Alors à noter que j'ai fait ces deux autres missions ici qui sont la même difficulté, c'est exactement la même procédure, trouver l'empreinte vocale de l'administrateur que normalement j'ai enregistré ici. Donc ça c'est l'empreinte vocale pour les deux autres, vous l'enregistrez et puis après vous connectez avec bien entendu l'avant-dernier lien vers une machine de la même société et ensuite c'est exactement pareil. Console, vous allez dans les consoles, vous faites c'est des user et delete. Donc ça c'est pas un problème. Si ce n'est que comme toutes les missions entre guillemets à retardement, il faut attendre d'avoir les news. Enfin que ce soit dans les news ici. Et c'est pas encore le cas. Donc maintenant on va changer un petit peu de mission et on va faire l'autre côté, c'est-à-dire les copies, mais pas à travers les LAN, je précise quand même. Normalement difficulté 7 c'est à travers un LAN. Je vais faire après. Alors j'avais dans l'idée de d'abord faire une difficulté 5 puis après un niveau 5 et après un niveau 6. Mais je crois que je vais d'abord faire un niveau 6. Normalement celle-ci devrait être correcte. Donc la mission ce sera aussi normalement à travers un central mainframe, donc il va falloir faire toute la même procédure. Alors attendez que je regarde. Non, de toute façon c'est pas la même société, donc il va falloir que je fasse toute la procédure encore une fois. Mais ici on va faire un petit peu autrement, un tout petit peu. Donc ici le but c'est, donc ils nous disent que notre établissement est très anxieux en fait de l'avancée d'un de leurs rivales. Ensuite ils veulent qu'on, en gros on casse leur le système du rival, qu'on vole les documents et puis qu'on les télécharge, enfin qu'on les téléverse, puisque c'est un français téléversé, bon en anglais upload, pour sur un de leurs systèmes, un file serveur qui est absolument pas du tout protégé, dont ils nous donnent l'IP. Donc normalement alors la cible est là et là on doit envoyer les documents, c'est là. À noter qu'ici il n'y a aucune protection, il n'y a aucun monitor, rien du tout, mais on va quand même y aller avec discrétion, on sait jamais. Donc c'est gigabyte et maintenant il faut trouver les infos. Alors voyons est-ce qu'il y a quelque chose. Ok, access terminal, on va tout prendre. Tiens, voyons un petit peu dans le côté des admins. Ah non, pas encore. Bon, je vais effacer mon entrée. Parce que parfois j'ai cru remarquer en refaisant un petit peu le jeu, histoire de un petit peu en avance et un petit peu de préparation, que j'ai cru voir des adresses intéressantes ici. Et on va utiliser notre fameux petit item ici lookup pour voir qui se cache derrière l'adresse IP. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Donc il me faut ça et ça. Donc voyons, le public access server est ici. Donc on va aller le consulter rapidement pour savoir qui est l'admin. Ok, etc. C'est Simon Patton, d'accord. On se déconnecte. Je vais le mettre en classique. Voilà, alors déjà, son téléphone il se trouve là-dedans. Chercher l'erreur. On l'appelle. Et avant d'oublier, on lance ce truc. Ok, c'est bon. Ça, c'est fait. Alors maintenant, on est toujours parano.
efface tout de suite les logs. Admin, ok, on se connecte. Log, non, toujours rien. Ah, j'adore. Notre nouvelle gateway qui est beaucoup plus rapide que l'ancienne. Donc, alors, on va quand même relire un petit peu. Alors, on cherche Primary Corporate Database, Historic Location. Ouais. En fait, vous allez voir que le problème sur le serveur, c'est qu'il y a des données de type différent. Et le souci, c'est que parfois, on ne sait pas trop quoi prendre. Ou qu'est-ce qu'il faut prendre, justement. Donc, normalement, c'est tout ce qui comportera Corp Data. Bon, on y va. On verra bien. Bienvenue. Donc, on va passer par là. Donc, effectivement, au fur et à mesure des contrats, ben, les liens que vous allez trouver vont être beaucoup plus importants. Hop, 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 hop. Donc, ça, c'est mon dernier lien. Enfin, avant-dernier lien. C'est par là, par là. Ici, tac, tac, tac. Et tac. D'accord, donc ça c'est bon. Donc inspection. Oh là, il y a du monde. Moniteur ici. On bypass tout. Hein. Classique. Et maintenant, on y va. Voici l'identification. Zou. Hello, I am the system administrator. My voice is my password. Verify. Ça c'est bon. Et on y va. Donc d'abord les logs, on va effacer ça. Normalement on a le temps. Et maintenant il faut trouver voilà, tout ce qui commence par Giga Corp 4. Donc là on lance copier. Et on y va. Donc Giga Corp 0. Alors, je vais essayer de le coller pour maximiser l'espace possible. Giga Corp 1. Normalement il y en a 9. Hein. Ensuite 2 3 4 5 donc Corp 5 2 0 c'est vrai. Donc, je revérifie au cas où et le 6 ça risque le 6 il rentre. Ah zut il rentre pas. Bon, pas grave. On se reconnecte ici pour effacer nos traces. Oui, donc effectivement, petit problème, on n'avait pas assez d'espace 10. Donc c'est pas dramatique, loin de là. En fait, on va simplement faire l'attaque en deux temps. À tous les coups, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, il manquait 1 giga. À un prêt. Et comme je l'ai dit, c'est pas dramatique, on va les réattaquer plus tard. Donc ici, on se connecte. Donc il n'y a aucune sécurité, en plus on a un mot de passe qui nous donne. Et maintenant il faut déverser. Sauf que le problème, c'est que normalement, les fichiers sont cryptés. Donc il va falloir craquer avec un décrypteur. Alors, normalement, le premier a été décrypté. Donc hop, je le prends et je le reverse ici. Donc pour mettre un fichier, il suffit de cliquer sur l'espace libre. Voilà. Et il n'y a plus de cryptage. Donc normalement, cette mission, bon, j'ai pas vérifié, j'aurais dû vérifier juste avant. Mais celle-ci est totalement faisable puisque le cryptage est inférieur à 7. Enfin, 7 et moins. Bien entendu, il faut le vérifier avant. Hein. Donc là, on va les verser dans l'ordre. Donc on a 0. Après, on passe à 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. On va se déconnecter. De toute façon, il manque plus que le 6.
on va effacer tout ça qui nous embête. C'est fait. Et maintenant, on va repasser à l'attaque. Ah tiens, celui-là, je vais le dégager. Généralement, je dégage toujours les systèmes téléphoniques. On peut aussi s'en servir de lien, mais bon, c'est pour une utilité absolue. Hop, là. Dommage aussi qu'il n'y ait pas un moyen de faire un système qui permet de faire une route aléatoire. Ça évite de toujours cliquer. Parce que je vous avoue qu'au bout d'un moment, c'est long. Hein. Bon, après, vous n'êtes pas obligé non plus de faire une route super compliquée comme l'est. Moi, généralement, je mets tous les liens. Ça ne regarde que moi. Alors. Donc ici, comme d'habitude, on rebypasse tout. Ensuite, hop, on relance. Pour ça que je l'ai pas fermé, parce que normalement je le ferme, mais... Je l'ai ouvert puisque je me doutais que il est fort probable que ça n'allait pas suffire. On va quand même recasser le mot de passe, de toute façon on peut. Ah oui, ben c'est le même. Ouais, c'est vrai que c'est le même puisque j'ai, en fait, dans les logs, j'ai enlevé cette ligne. Ce qui fait que... ils ont pas, en fait, il n'a pas mémorisé que j'avais cassé le mot de passe. Remarquez, si je pénètre dans leur système, c'est peut-être que j'ai cassé le mot de passe. Hein. Bon, ouais. Cryptage de niveau 2. Largement faisable. Alors, j'ai le truc qu'il me faut. Maintenant, on retourne effacer nos logs. Hop. Et toujours pas. Bon, pas grave. On verra plus tard. Donc là, ici, pareil. On décrypte le machin. Je vais lancer l'effaceur pour plus tard. Ensuite, on va se reconnecter là-bas. Et on va copier. On a les trucs de mémoire qui restent. Voilà. On efface ça. Attends, je vais fermer. Et je vais répondre. Ok, mission, etc. Ok, succès total. À noter que généralement, les missions vous demandent de copier des données. Il est probable que si vous copiez une partie, ils vont accepter de considérer que la mission a été remplie. Mais vous serez payé moins puisqu'il y a moins de fichiers sur le contrat, bien entendu. Alors, c'est pas tout à fait sûr. Normalement, ça peut être le cas. Parfois. Alors, d'accord, j'ai un décrypteur de niveau 2 que je vais dégager, de toute façon il sert à rien. Et si on regarde ici, hop, décrypteur, de toute façon c'est toujours la version maximale. Donc ça, ah tiens, on va lancer le défrag. Bon, je vais déconnecter de ça. On va se reconnecter, effacer nos traces comme d'habitude, toujours effacer les traces, toujours, surtout les passives. Et toujours pas. On va lancer le défrag pour vous montrer ce qu'il fait. Voilà. Ouais, là ça sert plus à rien parce qu'il n'y a plus rien après. Mais c'est à peu près son boulot. Bien. Alors, ouais, 15 minutes quasiment. Je pense que maintenant je vais m'attaquer à une mission de destruction minéraire à LAN. Ce sera beaucoup plus simple. Alors avant, les news. Donc ici vous voyez que... On parle de gigabit, donc normalement c'est le dernier client, enfin c'est le dernier cible qu'on a eu. Que 70 gigaoctets de données confidentielles ont été volées. Donc en gros, ils nous disent que maintenant ils vont
En fait, mettre en avant toutes les options pour trouver le hacker et la corporation qui l'a payé. En gros, normalement, c'est nous. Et si c'est bien fait, voilà. Et là, il y a une nouvelle mission qui est traquer un hacker. Et normalement, si j'essaie de les contacter, hop, ils disent on peut pas vous accepter de contacter cet employé ici sur ses instructions spécifiques. En clair, le problème c'est qu'on peut pas accepter cette mission parce que la cible c'est nous. Voilà, c'est ce qui se passe. Et maintenant, vu qu'on va faire plus ou moins toutes les missions, dont certaines je vais faire hors caméra, hein, notamment celles qui sont de niveau 5. Bon, là il y a beaucoup plus de missions, donc il va falloir y aller en deux temps. En plus, mais comme c'est un niveau 5, ce sera en fait sur un serveur qui nécessite juste un mot de passe. Donc c'est quelque chose qui est très facile, que je vous ai déjà plus ou moins montré avec la même version destruction. Et celles-ci sont de niveau 7, notamment derrière un LAN. Non, alors c'est celle qui est derrière un LAN. Ouais. Ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Bon, maintenant on va faire. Derrière un LAN. Hop, on accepte. Alors, voyons ça. Donc, donc c'est de 5 systèmes de développement. Donc, comme vous le savez déjà, nous essayons de promouvoir nos nouveaux systèmes, mais une autre corporation a développé un truc concurrent et un petit peu devant. On avance par rapport à nous, donc connectez-vous à leur serveur, détruisez tout ce que vous pouvez trouver, toutes les sauvegardes, etc. Et il est dans votre intérêt de d'effacer vos traces. Ouais. Alors ici, c'est quelque chose d'un peu plus différent, c'est maintenant c'est un local area network. Donc on va se connecter à un routeur. Alors la connexion au routeur ne nécessite pas, comme pour une centrale mainframe, d'avoir un lien, enfin de... l'avant-dernier lien soit un ordinateur connu hein, ou reconnu de leur système. Donc en fait on peut très bien faire n'importe quel lien jusqu'ici, sauf que avant de faire ça il va falloir avoir quelques infos en plus, notamment l'empreinte vocale de l'administrateur. Ça ce sera utile sur la fin, pas la connexion au niveau du LAN mais sur mais après. Donc il va falloir chercher un petit peu, donc voyons un petit peu ce qu'on a sur Logic Labs. Ok, on prend tout. Et maintenant, voyons dans nos liens à nous. Alors, il nous faut ça. Public Access Server. Où est-il? D'accord, il est là. Donc, comme d'habitude, on va se connecter au... Donc normalement ça c'est pas nécessaire de en indirect, mais je préfère me faire comme ça. Ok, Adam Bray, c'est bon. Ensuite, alors il y en a... Donc normalement j'ai plus besoin de ça. Lui je vais l'effacer. Et lui je vais le mettre en rouge. Donc normalement il doit se trouver quelque part. Ouais, donc il est là-bas, quasiment dans l'eau. Et on va lui téléphoner. Et bien entendu, le voice analyzer. J'aime bien la musique. Ok, il s'est éteint. Donc, on le met en réserve au cas où. Et maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Juste voir. Non, toujours pas. Ouais, c'est peut-être parce que je mets beaucoup de liens entre, donc ils ont du mal à me retrouver tout de suite. Alors, maintenant, on va s'attaquer à ce Gugus là. Bon, avant, je vais effacer ce truc. Allez, c'est parti. Par contre, je n'ai aucune idée du LAN qui se trouve derrière. Il faut savoir que normalement, tous les LAN que vous allez rencontrer
sont générés aléatoirement. Mais il faut savoir que dans la majorité des cas, pour ne pas dire tous les cas, il y a toujours une méthode pour résoudre entre guillemets l'énigme en question. Alors normalement c'est ça. Donc voilà, accès au routeur externe. Donc ici, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. On va simplement bypasser ce qu'il faut. Donc normalement, il y a un monitor. Apparemment, juste un proxy. Ça, c'est bon. Le reste, c'est dans cet écran. Donc ici, on a un routeur. Bon. Alors, on va utiliser nos LAN. D'abord, un scan. Oh là, un peu plus complexe que prévu. D'accord. Donc on a un routeur, donc ici ce sont des hubs, et apparemment ça c'est le main server. Donc ça c'est la cible qu'il va falloir atteindre. Donc normalement, il n'y a aucun moyen, enfin il n'y a aucun problème, on pourra trouver une solution. Donc on va utiliser la sonde pour voir les connexions. Là c'est bizarre ça, on peut se connecter tout de suite. Bon, on va quand même regarder ça. Donc apparemment là on a un contrôleur. D'accord, ça je peux pas y accéder. Si je contrôle ça. Est-ce que je peux avoir le contrôleur? Non. Alors, on va voir ça. Alors là c'est bizarre, normalement c'est pas aussi direct. Attendez, on va voir un petit peu ce que ça cache. Donc, normalement, on se trouve ici. Donc, on peut utiliser ces différentes commandes en dessous. Si, par exemple, ici, j'avance. On peut se connecter, on peut faire un retour en arrière. Ou un reset pour revenir exactement au début. Donc, normalement, notre cible est là, mais ça... Ah, je vois. Il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Donc, on va essayer de passer. Donc... Ici, on va passer par là. Donc là, on arrive ici. Donc là, alors, je vous avoue, là, c'est un nouveau LAN, j'avais jamais vu. Donc il faut que je découvre en même temps que vous. Donc ici, on a un contrôleur. Ici, c'est un verrou. À la limite, on peut le forcer, mais si on force, on va avertir l'administrateur qui va essayer de nous chasser du système. Donc ici, un routeur. Donc en fait, quand vous cliquez sur un verrou, vous voyez qui le contrôle. Bon, apparemment, vu comme c'est configuré, je dirais que le système principal, on y accède directement, mais il est gardé par trois trucs. Il va falloir neutraliser. Bon, on est là, on va se connecter à ce truc. Alors, avant de faire ça, il va falloir d'abord aller ici. Puisque c'est un modem externe qui va nous servir. Alors, il y a un mot de passe à craquer. Et voilà, et maintenant il nous donne le plus important, son numéro. Donc ici, quelque chose de très important que j'aurais dû préciser avant. Ah, je l'ai pas fait, c'est ma faute. Toujours avoir un papier et un petit crayon pour noter. Donc ici, bon, on n'est pas tracé, donc normalement il n'y a pas trop de problèmes tout de suite. Alors c'est 06155. Alors il faut noter exactement comme c'est marqué. 66 86 47. Donc après on va essayer de chercher l'adresse IP qui correspond pour pouvoir se connecter à ce modem en particulier, parce que effectivement quand on revient un cran en arrière, on a en fait un pont d'isolation, c'est à dire qui contrôle deux verrous, l'un est ouvert, l'autre est fermé, ce qui fait que celui-là est pour l'instant est fermé et celui-là est ouvert. Et le problème c'est que si on l'active ou le désactive, ben les verrous vont inverser leur position, ce qui fait que si je veux accéder apparemment au petit bidule qui se trouve en dessous, il va falloir que je déverrouille celui-là. Et pour le déverrouiller, il faut que je verrouille celui-là, donc en gros le chemin ici sera bloqué. Donc on va se connecter. Je sais plus si... Voilà. Je l'ai enclenché, et maintenant le truc est verrouillé ici. Mais déverrouillé là, donc il suffira que je passe par ce modem. Mais ce sera pour plus tard. Donc apparemment ici on a aussi un système verrouillé. Donc il va falloir que je me connecte à ce truc. Donc là il me dit authentification au serveur, etc. Alors il y a un mot de passe et un cipher. Alors
celui-là on va le craquer. Hop, je vous dépêche un peu. Le mot de passe. Alors généralement sur ce, dans ce genre de situation, parfois le dictionnaire peut être utile. Mais bon, je préfère utiliser le breaker classique, le password breaker classique. Hop, on désactive la sécurité. Ensuite, on revient là. Et je vais voir ce qu'il y a derrière. Alors, je peux pas me connecter. Bon, apparemment, le verrou est encore fermé. Vu. Alors, normalement, ce verrou, il contrôle ça. Enfin, ce terminal contrôle ça. Ce terminal contrôle ça. Alors, qu'est-ce qu'il contrôle, lui? Ah. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus compliqué que prévu. Bon, on verra bien. Donc ici on va se mettre là. Donc il faut que je pirate aussi ce truc. Non, c'est le même principe. Ah, la petite part de mystère de Plink. Donc ici, le crack. Hop. On désactive. Donc là, on peut y aller. Je sais pas pourquoi je sens que cette mission va être un peu plus délicate. D'accord. Par contre, il me dit pas s'il est activé ou pas. Donc je présume que si je peux pas faire ça, ça signifie que soit c'est le bout, soit il est déjà activé. Bon. On va se déconnecter. Effacer nos traces. Pour l'instant. Voilà, le truc il prend plus de temps que prévu. Ça, c'était pas prévu justement. Bon, c'est pas grave. Donc, on a le numéro de téléphone. Donc, il faut trouver le modem en question. Donc, on entre le numéro. 155-66-86-47. Hop, normalement, il arrive ici. Ben maintenant, on va se connecter à ce truc. Ouais, donc il est là. Bon, je rappelle que normalement, là où est le LAN, il est ici. Le modem, il est là. Non, je ne cherche pas la complication. Bon. On va essayer de faire moins de liens cette fois. De toute façon, normalement, il n'y a pas de problème. Pas trop. Et je vais essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Là, pour l'instant, je suis assez perplexe. Donc ici, c'est bien un modem. On rebypasse ce qu'il faut. Et je me retrouve de ce côté du lien. Donc là, ensuite il me faut le LAN probe. Et j'arrive ici. Ouais. Vraiment bizarre. Parce que ici, il est gardé par ces... À moins que... Ah, attendez, il y a peut-être un truc. Est-ce que je peux essayer ça? Ouais, normalement il protège après. Ce qui empêche de passer, mais là il n'y a rien derrière. En fait, je me demande si le truc il a pas merdé. Normalement, quoique. Il est verrouillé par des liens. Bon. Alors, attendez, on va faire un truc. On va réeffacer nos logs.
pour être sûr. Je préfère prendre aucun risque. Et au pire, j'arrêterai la vidéo et je vous montrerai comment faire dans une vidéo suivante. Mais ça serait un petit peu moche. Bon, on va reprendre tout le principe. Parce que dans la mesure où c'est une génération de LAN aléatoire, il est fort probable qu'il y ait parfois des incohérences. Et là, je comprends pas pourquoi il y a tout le système de sécurité si le serveur principal est directement accessible. Là, je suis un peu perplexe. Bon, je pense que vous avez déjà remarqué. Bon, on prend pas tous les liens. Ouais, d'abord, on bypass ce qu'il faut. D'accord, je peux plus me connecter. Parce qu'il... Ouais, d'accord, il est gardé par ces trucs. Mais je ne sais plus comment on désactive. Je pourrais toujours utiliser un truc force, mais là, ce serait pas... Normalement, il y a toujours moyen de faire sans. À moins que... Non. Pas d'éléments supplémentaires. Non, ça c'est le scan, non. En fait, ce que je comprends pas, c'est que... C'est gardé par ce truc. Donc c'est en fait un verrou qui nous empêche d'y accéder. Essayer de faire ça comme ça. Je sais pas si ça va marcher d'ailleurs. Non, je peux toujours pas me connecter. Ouais, bon. Allons essayer une méthode plus directe. Bon, tant pis, on va utiliser la méthode super directe avec un force. Alors, rassurez-vous, la petite musique, c'est simplement que l'administrateur s'est logué. Alors, je vais éventuellement l'attendre un peu. Alors. Non, il dit qu'il est encore gardé. Donc, bien entendu, on se fait tracer et normalement, vous marquerez un encadré rouge. Alors, le rouge. Oups. C'était pas prévu ça. Bon, méthode de sécurité. Normalement, la trace n'étant pas arrivée jusqu'au bout, il n'y a aucun problème. Donc ce que je voulais dire, c'est que normalement, au pire, si jamais je prends, je recommence la vidéo, hein, c'est pas un problème. Donc normalement, il faut savoir que vous êtes... Donc déjà, la trace commence, mais après, vous avez un administrateur. Donc l'administrateur... si vous voulez, il va essayer de vous trouver dans le LAN. Donc en fait, il est repérable par rapport à un petit contour rouge. Et il faut savoir que quand il vous trouve, donc apparemment il a réussi à me trouver, bah, il vous déconnecte. Mais si vous faites déconnecter, c'est pas problématique. Enfin, pas entièrement. Non, on va peut-être... C'est comme ça. Alors on va se connecter autrement. Hop, le monitor. Je voudrais vraiment y arriver puisque je sais pas comment en fait péter ce verrou là. Parce que je peux pas me connecter au truc. Et il faut absolument le déverrouiller.
Est-ce que là je peux aller jusque là? D'accord, donc ça c'est un lock qui est disable. Moi ce que je voudrais c'est arriver ici. Donc le scan ne donne rien de plus. Ok. La sonde ne donne rien. Et le scoof, il dit qu'il est scoofé. Est-ce que je peux alors me... Non, mais je peux toujours pas me connecter dessus. L'idée, je vais faire ça. Ce qui fait que normalement maintenant je peux passer par là. Hop. Passer par là. Là non, je peux passer. Je sais pas, j'essaie de trouver la solution. Non, il y a toujours une solution, rassurez-vous. Ah, là je peux y accéder. Donc, ça signifie que celui-là est pété. C'est un lien qui est pété. Par contre, on va revenir en arrière. Tiens, je vais essayer de voir. Est-ce que je peux me connecter à celui-là? Non. Donc ça signifie que celui-là je peux pas non plus. Bon bah on va les péter de force. Hein. Ok. Juste éviter qu'il... En fait, le truc, c'est qu'il faut juste éviter qu'il vous détecte. Ah zut. Non. C'est désactivé, voilà. Par contre, je vois pas l'encadré rouge. Normalement, il doit être... Oups, ici. Alors, est-ce que j'y arrive? Voilà. J'arrive à me connecter, donc là ça va être tendu, mais alors à un point vous avez pas idée. D'accord. Donc une fois que vous êtes connecté, alors rassurez-vous, vous faites tracer tout le temps par rapport ici. Voilà, ça va être tendu, ça va être tendu, vous avez pas idée. Au sol. CD user delete. Voilà, il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche. Et puis on se déconnecte. On va voir Intellink. Vite, avant que la catastrophe n'arrive. Donc là, apparemment, j'ai quand même réussi à trouver... Faut péter les systèmes de force, mais le problème c'est que normalement on n'a pas normalement pour les LAN on n'a pas besoin d'utiliser cette méthode, enfin de cette méthode comme ça, la méthode force on n'a pas besoin d'utiliser, normalement on peut y arriver comme ça. Bon, on va essayer de revoir si on a fait du bon boulot. On va se reconnecter encore une fois. Oui, je sais. Et encore là, c'est extrêmement tendu et c'est juste pour détruire des données. Hein. Alors imaginez comment ça va être pour les copier. Donc on passe par un accès différent. En fait, je veux juste me connecter au truc. Hop. Donc à chaque fois que vous vous connectez, au bout d'un moment, vous avez l'alarme qui retentit. Donc l'administrateur normalement va se... normalement il se connecte, mais là je... bizarre, je vois pas. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Zut. Ok, password. Admin. Ah bah tiens. Voilà. User.
Ok. D'accord. Tout est encore là ou presque. Bon, pas grave, il m'a repéré. Voilà, ça fait 40 minutes. C'est long, c'est long, c'est long. Bon. Ok. D'accord. Cette fois, c'est la bonne. On va faire à la one again. Donc, dernière tentative. Sinon, je coupe la vidéo et puis je ferai hors vidéo. Donc, c'est à peu près la même technique. Là, on va faire tous les liens. On va essayer de rester le plus longtemps possible. Parce qu'apparemment, vu que je suis pas resté jusqu'au bout, donc à mon avis, le dilette n'a pas fait tout son boulot. Ou il a peut-être réussi à l'arrêter. Si je me suis déconnecté, il est probable que le dilette s'est arrêté en même temps. Ou alors, il n'a pas été considéré comme étant valide. Syndrome du filmeur à la noix. Ok, monitor comme d'habitude, proxy, ensuite LAN, hop, hop, connexion, ok, ici, hop, tout de suite, le cracker je prépare. Ce qui est tendu d'ailleurs parce que ce truc on peut pas le passer plus vite en fait, c'est ça le problème. Ok, ensuite, console, CD user. Dilette. Ah, il est là, d'accord. Le problème, c'est que si je me déconnecte, si en fait, d'accord, il essaye. Alors, si j'essaie de faire back, en fait, je me déconnecte du serveur. Ouais, c'est ça le problème, c'est que je me déconnecte du serveur, enfin du main serveur. Dans ce cas, je suis obligé de me reconnecter pour faire quelque chose dessus. Ça, c'est pas cool. D'accord, donc en fait, j'ai compris la technique. J'y vais du mauvais côté, puisque là, il y a très peu de chemin entre le moment, enfin entre l'endroit où je me connecte et l'endroit où se trouve le serveur. Donc il va falloir que je passe par le modem. Ah, j'ai dit que c'était la dernière, mais non, non, non. On va changer notre fusil d'épaule, on va passer par le modem. Ce qui normalement devrait nous laisser suffisamment de temps. Ça devrait être bon. Ah, comme quoi c'est pas aussi simple hein. Enfin, je pensais que c'était extrêmement simple, comme on dit finger in the nose, mais pas du tout hein. Ok, on passe par le modem. Alors, le monitor. Le proxy. Et normalement on a 1, 2, 3, 4 avant d'y accéder. C'est bon. Ok, on y va. Ok, celui-là, tu me fais ça. En vitesse. Ok, ensuite, console. CD user, dilette. D'accord, il est là. Il me cherche, donc il va monter jusqu'au lock. Voilà, il est là. Avec un peu de chance. Ça devrait pouvoir le faire. Non, la trace n'est pas un problème. Ce qui est le plus chiant, c'est lui. Est-ce qu'il est encore? Ouais, Alpha Dilette, c'est bon. Ça, c'est bon, j'avais plus besoin de ça. Oh. Access, on efface. Alléluia, donc normalement ça devrait être bon. Bon bah maintenant pour terminer cette vidéo, on va regarder les news. Puis normalement au bout d'un moment ça devrait apparaître. On va accélérer un peu plus, voilà. La cible. Alors Logicaps, ça c'est bon. Donc maintenant, alors voyons. Donc ça c'est Arc, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Unitron et les autres, ça c'est ceux que j'ai pas montré. Donc normalement ça devrait être bon.
Ok, rien de criminel. Donc, on répond. Et normalement, on devrait dire que c'est bon. Voilà. Ok, 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 et ok, et ici, Notorious, donc on est remonté dans notre notoriété. Oui, parce que je vous rappelle qu'on était à peu près dans le mauvais de niveau 2, puis maintenant on est dans le mauvais de niveau 1. Ouais, c'est un peu mieux, mais bon, on peut encore faire mieux. Et normalement, dans l'émission Ace, voilà, 2, 4, 5. Voilà, tout ça, qui en fait nous concerne. Alors, au menu de la prochaine vidéo, puisque cette vidéo commence à être longue, là, je chronomètre 45 minutes, voire 46. Je pense qu'on va faire pareil que cette fois. Copie de fichier derrière un LAN. Ça va être marrant. Avec, comme j'ai galéré pour ce LAN là, ça risque d'être du bon. Hein. Et on va aussi faire alors, un truc qui est assez. Alors, peut-être que je vais commencer par ça. C'est en fait une mission où vous devez forcer à faire un transfert d'une banque à une autre. C'est marrant. Alors ça c'est un removal job. Ah ça c'est peut-être aussi intéressant. Ça va être en fait de neutraliser un agent concurrent. Et vous verrez comment. Bon, je vais m'arrêter là moi. Alors j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été longue, même si j'ai un petit peu galéré dans le LAN, et c'est vrai, je m'en excuse. Mais je vous le répète, normalement les LAN sont totalement aléatoires, enfin auto-générés pour être exact. Et dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire d'utiliser les méthodes brute force pour casser les sécurités. Normalement ça se casse tout seul, enfin il y a moyen d'y accéder. Hein. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et ben, c'est tout. Donc je vous dis à la prochaine. Salut !